Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, cette chaîne parle de K-pop, de pop coréen, mais c'est parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau groupe qui s'appelle Very Very, Very Very, une fois avec un I, une fois avec un Y. Leur titre de début s'appelle Ring Ring Ring. Je connais rien du tout sur ce groupe, à part qu'il a été annoncé il y a un petit moment, qu'il est quand même assez attendu, j'ai vu pas mal de gens en parler sur Twitter. Personnellement je sais pas trop à quoi m'attendre, juste rien qu'au titre qui s'appelle Ring Ring Ring, j'ai l'impression que ça va être un truc un peu sympa, mignon, frais, donc on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je dirai pourquoi. Si j'aime pas, je dirai pourquoi. Mais en tout cas, sachez que mon avis n'est jamais fixé, qu'il peut toujours évoluer par la suite. Donc allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1. C'est coloré déjà. Oh putain, le son il est vintage. Ils ont l'air trop jeunes! Par contre, ils ont des fringues que j'ai envie de leur choper. Le clip est fun, hein. Il est hyper. Comment dire? Il joue en fait avec nous, il se passe des choses, ça vient en avant, ça vient en arrière. Ça me fait penser un peu à Touch de NCT 627. Et comme vous le savez, j'adore la chanson Touch. Putain, ils ont l'air super jeunes. C'est le truc qui me choque le plus, c'est qu'ils ont l'air vraiment jeunes. Je sais pas quel âge ils ont, mais oh là là. T'as vu, il a une voix de fou et il a une tête à être genre rappeur ou je sais pas quoi, alors qu'en fait non, il a une super pro, super belle voix claire. Moi aussi je veux une pièce à l'effigie de Monsieur Parapluie. Oh putain, c'est trop beau. Avec les cymbales et tout, ouais, c'est super beau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un peu la chanson qu'on trouverait à la fin d'une comédie américaine où genre les mecs ils traversent plein de trucs difficiles et puis à la fin ça se passe super bien, alors ils chantent tous ensemble et ils se réunissent et t'es content pour eux parce que tu les as suivis depuis le début et... Je sais pas pourquoi ça me fait vraiment penser à ça. Bon, et eh bien c'était Very Very avec Ring Ring Ring, j'ai trouvé ça vraiment génial, j'ai adoré cette chanson, j'adore le style rétro comme ça, la chanson rétro, j'adore ce style là, c'était super beau, c'était super coloré, enfin c'est tout ce que j'aime, ils avaient des super bonnes voix, je sais pas où ils les ont trouvées mais voilà, enfin en tout cas je sais pas où ils les ont trouvées mais sans doute à la maternité parce qu'ils sont tout bébés, ils ont l'air tout jeunes, ils sont... Enfin bon, soit. Pour moi, c'est vraiment des super bons débuts. Avec One Us, on va les appeler comme ça. Hein. Avec One Us, pour moi, c'est un des meilleurs débuts là cette année. Franchement, aux côtés des mecs en tout cas. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Franchement, c'était très, très bon. C'était excellent. Ce qui me fait juste peur, je sais pas en fait s'ils vont garder ce style musical très longtemps. Parce que généralement,
Je connais pas un groupe qui a gardé ce style-là très longtemps. Il y a Astro qui avait un peu ce style-là, et j'ai l'impression qu'ils sont un peu en train d'évoluer, de faire autre chose maintenant. Et j'ai un peu peur qu'avec Very Very ce soit pareil, alors qu'en fait on manque clairement de groupes comme ça qui font ce genre de titres un peu fun, léger, côté mec, hyper playful, etc. Et ça me manque un peu moi personnellement, c'est pour ça que j'adore. Ça m'a fait penser à un mix de Shiny avec NCT. Enfin, c'était vraiment chouette en fait, c'était vraiment un super bon titre. Donc j'espère qu'ils vont gagner en reconnaissance, être connus, parce que vraiment j'aime beaucoup cette chanson et je veux qu'ils continuent à sortir ce genre de truc. J'ai pas grand chose à dire de négatif dessus parce que pour moi tout a été bien fait en fait. Si, le seul truc négatif c'est que c'était trop court, je voulais que ça dure un peu plus longtemps parce que j'ai vraiment bien aimé ce titre. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi tout, est-ce que t'es d'accord ou pas avec moi? Tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube bien évidemment, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Amino et sur Sming. N'oublie pas de voter au K-Charts Top 20 de la USN Unit de la semaine. C'est un classement que je fais chaque semaine où tu peux voter pour tes chansons préférées. Je te mets le lien là. Et pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Pour moi, en tout cas, ce sera tout pour cette fois-ci. Tu me suis si t'en as envie, mais uniquement si t'en as envie. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.